matin ou bien, pour être sûr, t'es comme moi. Quand il y a le haka à la télé, t'arrêtes ce que t'es en train de faire, tu montes le son et tu t'assois pour regarder. Moi, le haka, ça me fascine. C'est une danse maori que certaines équipes du Pacifique pratiquent avant un match. C'est toujours un moment particulier. Un peu comme ta femme quand elle t'annonce qu'elle a couché avec le facteur. La culture maori, c'est une culture que nous connaissons très peu et qui nous intrigue. Le mot haka, ça veut dire danse et faire. Il désigne les chantés rituels de l'ensemble des peuples polynésiens. Et ouais, il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande qui pratique le haka, mais aussi les Fidji, les Samoa et les Tonga. Selon les légendes maori, le dieu du soleil et sa femme qui incarne l'été ont un fils, Tanerore. Celui-ci dansait pour sa mère avec des mouvements qui faisaient frémir l'air. Ce sont ces mouvements qui sont le fondement du haka. Les haka ont d'abord été pratiqués par les guerriers maoris. Ils se donnaient du courage avant la bataille. Et le but, c'était d'effrayer leurs adversaires. On retrouve cela à l'armée. Des soldats de différents pays de Polynésie le pratiquent. Par exemple, sur les Champs-Élysées, on a vu des soldats de Polynésie française qui le pratiquaient. Ou avant le débarquement de Seconde Guerre mondiale, mais le haka était aussi exécuté lorsque plusieurs groupes se retrouvaient en paix. Le rituel veut qu'un haka ne peut pas être réalisé si ce n'est pas un maori qui l'anime. L'un d'entre eux doit obligatoirement conduire la danse. C'est pour ça que des fois, tu vois la Nouvelle-Zélande avec un remplaçant qui anime le haka. Chaque geste a une signification bien précise. Par exemple, le pukana qui correspond aux yeux exorbités qui se plongent dans le regard de l'adversaire pour impressionner. La langue tirée veut dire « je vais te manger ». Le geste final du capot au Congo simule un égorgement. Il n'y a pas besoin de dessin pour celui-là. Le premier haka, il est réalisé en 1888 lorsque la première équipe néo-zélandaise financée par des fonds privés effectue une tournée en Grande-Bretagne. Il s'agissait plus d'un divertissement qu'une danse qui fascine. Le haka, c'était pas du tout pareil à l'époque. Lorsque l'Empire britannique a colonisé la Nouvelle-Zélande, ils ont fait la guerre aux Maoris. Comme souvent, lorsqu'un pays en colonise un autre, ils tentent d'effacer la culture en appliquant la sienne. Le haka, c'était un moyen pour les Maoris de préserver leur culture. À l'époque, l'équipe de Nouvelle-Zélande, elle est essentiellement composée de joueurs blancs, des descendants de colons. Ils le faisaient sans en comprendre la signification ni la symbolique. C'est pour ça que ça ressemblait plus à de la polka que maintenant. Tu dois faire un haka avant un match, toi ? En 1986, avant la première Coupe du Monde qui avait lieu en Nouvelle-Zélande, des anciens des tribus maoris ont demandé à l'équipe de Nouvelle-Zélande, aux All Blacks, d'effectuer correctement le haka ou de ne pas le faire. À partir de là, il prend l'intensité qu'on lui connaît. Il va falloir attendre 1987 pour voir le premier kamaté, là où il y a une chorégraphie. Et ça, ça arrive pendant la Coupe du Monde. Sur les terrains de rugby, le haka le plus connu, c'est le kamaté. Pour l'histoire, celui-ci a été composé dans les années 1820 par le chef maori Te Rau Parara. Celui-ci réussit à échapper à une tribu ennemie en se cachant dans une sombre fosse de stockage de nourriture. Lorsqu'il en ressortit, il fut accueilli par des rayons de lumière et un chef ami. Les paroles, c'est kamaté, kamaté, kaora, kaora, c'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Et c'est une célébration de la vie qui triomphe sur la mort. En 2005, bababam, on a un second haka qui apparaît qui s'appelle le kapa opongo. On raconte qu'il a été créé parce que les supporters sud-africains, ils ont commencé à siffler le haka sur le test match précédent. La réponse des Néo-Zélandais, ça a été de créer un second haka, le kapa opongo, pour dire ça y est, on rigole pas. Ils l'utilisent vraiment pour des occasions spéciales, celui-là. Le haka, il a évolué au fil du temps et c'est devenu un moyen pour les communautés de se rassembler. Il est donc exécuté lors d'événements familiaux. Par exemple, ça peut être des anniversaires, des mariages ou des enterrements. Depuis 2002, le haka, c'est devenu une discipline obligatoire à l'école. Il y a quelques années, il y a une scène ultra émouvante qui se passe dans un collège en Nouvelle-Zélande. Il y a un professeur qui est décédé et il y a tout le collège qui lui fait un haka en son honneur. Je vous laisse profiter de cet instant, il est juste génial.
Dans la culture maori, répondre au haka, c'est pas du tout un manque de respect. La France l'a fait en 2007 et en 2011. Ils ont défié les All Blacks. Ils s'étaient rapprochés à quelques mètres d'eux pendant leur haka. Maintenant, le règlement l'interdit. Et ouais, on innove en France. Après, il y a réponse et réponse. Nous, en France, on le fait dans l'affrontement du haka. En revanche, les Anglais, ils l'ont fait différemment. En 2015, il y a l'ancien demi de mêlée de l'équipe d'Angleterre, Matt Dawson, qui a créé une danse qu'il a appelée le Hakarena. Perso, je trouve ça naze. L'objectif, c'était de mettre la pression sur les All Blacks pour la Coupe du Monde. Les All Blacks, ils ont préféré ne pas répondre. Et il a été repris vraiment à toutes les sauces. Vous avez vu Aquaman ? Non, moi non plus. Vous allez me dire quel rapport avec le haka ? Bon, et bah l'acteur Jason Momoa, il a déjà exprimé plusieurs fois son attrait pour la culture maori. Tu l'as peut-être déjà vu dans Game of Thrones, c'est Khal Drogo, le chef des Dothraki. Et bah pour la sortie de Aquaman, il a fait un show avec le haka. Et bah lui, il est pas maori et pourtant il fait un haka. Mais bon, là c'est différent, il s'agit de pognon. Quoi, t'es toujours pas abonné à ma chaîne? C'est pas bien ça. Faut penser à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche si tu veux que la chaîne elle continue d'exister. Et là, je vais te mettre en lien sur lequel il y a les haka les plus agressifs. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo, topette.